Salutations petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Iratus Lord of the Dead épisode 21. La dernière fois on avait pris cher, on a perdu malheureusement notre chevalier principal. Donc on a refait encore une team, plus ou moins la Zub, un team 2, le temps que la team 1 se remette. On va pouvoir, j'ai que 38 de points de mana, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va... Hop là, on va aller récupérer de la mana. Voilà. Nickel, on va faire un combat et après le combat de boss. Pour que mon équipe 1 soit remise, je vais bien sûr prendre l'équipe 2 pour le faire. En espérant que ça passe facilement parce que c'est la merde. Entre les d'empire, ouais voilà, encore un d'empire qu'il faudrait que j'arrive à recruter, mais bon, c'est un autre problème. Espèce de putain de mortel affreuse, t'es jalouse toi. Bon, au moins j'ai de la mana, je préférais essayer de la conserver, mais voilà. Les barbares sont très très forts. Ouais, c'est... En plus lui c'est enfoiré, voleur de sorts, il va me pomper ma mana, ce bâtard. Donc autant que je m'en serve. J'avais pas pris une nouvelle magie moi. Non, je n'ai pas de nouvelle magie. Donc autant que je me serve de ma mana très vite. Autant que je me serve de ma mana très vite. On va mettre le feu à une cible. Voilà. Et si je peux, je lui mettrai un... gros truc dans la gueule aussi. Toi bien sûr on va te mettre en full parade. Parce que malheureusement t'as pas de bon matos et t'as pas de bon morceau on va dire, donc on est obligé. Voilà, il va me niquer ma mana, cet enfoiré. Voilà. Tac 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 tac. Je peux toujours pas refaire mes sorts. Elle me donne pas de mana en plus. Donc on va s'enchaîner sur lui. Voilà, très bien. Combien elle a de critiques? 21%. Ouais, ça c'est cool aussi. Voilà, il va encore me voler de la mana. Non. Hospice. Ok. Je peux toujours pas faire mes sorts. On va s'acharner sur lui, hein, de toute façon. Oh merde, raté. Je peux toujours pas faire mes sorts. Alors, elle, il faut la rendre folle. Ok. Un ennemi dans son dos, donc voilà. Elle, de toute façon, elle partira pas du combat, hein, c'est son passif. Donc voilà. Voilà, si la cible est en feu, fais max de dégâts. Tiens, meurs. Oh. Bon, ok, on va essayer de le tuer avec le flingue. Voilà. Au moins ça, c'est bien. Aïe. 16 points de dégâts, ça fait mal. Ok, hospice, ça passe. Elle, il faut que je la rende folle, mais bon. Ok, lui, il a encore trop de chance. Le rendre fou va être long. On va plutôt l'approcher. Et lui faire des dégâts. Ok, alors moi, j'ai augmenté ma force. Avec un peu de chance. Voilà. Ah, elle fait des bons critiques quand même. Hein. Je sais que je l'avais monté en critique, mais... Aïe, 48 points de dégâts, la salope. Ouais, de toute façon il faut d'abord que je tue lui. Donc on va essayer. Il lui reste combien de points de vie? 16. Ouais, quand même. Ouais. Donc théoriquement c'est la moyenne, on va voir. Ouais, d'accord. Il a 10 d'armure le mec derrière ou comment ça se passe? Voilà. Tu ne le sauras pas. La barbare et rendre elle folle. Ok. Posture élégante, donc faut que je fasse de la folie. Ok. Faut que je fasse de la folie. Ou des buffs, mais bon pour le moment. Ça, ça pourrait être bien, mais ça me fera avancer. Ouais, on va faire ça. Ah, ça passera pas à la hospice. Oh, bon, on va plutôt faire les dégâts physiques alors. En essayant de la maudire après. Hop. À 2 points de dégâts, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Ok. J'ai toujours ma parade sur elle. Ah, voilà. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Hop, on va continuer.
Deux points de dégâts quoi les gars à un moment. Ouais. Bon, on va lui faire cramer son hospice parce qu'il faut bien. À un moment. Ok. Elle se remet en posture, nickel. Nous, de toute façon, on va essayer de vous y elle. Voilà. Ça, ça fait chier. Oula. Vous voulez pas mettre des malus? J'en aurais besoin pour sauver ma momie en fait. Ça serait cool. Je pourrais virer sa posture à l'autre. Mais ça marchera pas, mais on va le faire quand même. Je pourrais virer l'hospice au moins. Aïe! Oh putain, ouais, elle fait vraiment mal elle. Pas pour rien qu'il me la faut dans ma team. T'as pas de chance négative, par contre elle en a. Ouais, hop, le problème c'est que je peux pas m'occuper des deux. On va essayer de maudire elle. Aïe, hospice qui bloque, nickel. Oh là là, son armure absorbe tout quoi. Démence, augmentation de dégâts infligés, augmentation de dégâts subis. Ok, et en plus. Ouais, bon, ok, encore un coup comme ça et ça devrait le faire. En même temps, on veut te garder pour la fin parce qu'on veut te rendre folle. Ouais, on va essayer de sauver lui au cas où. 35 d'évasion, c'est quand même pas dégueu. Toi, on va essayer de te foutre le feu du coup. J'ai. Ah, mais c'est vrai que la magie, faut que je la garde. Faut que j'essaie de garder la magie. Vire les malus et remets-toi un peu de vie quand même. Voilà, elle est bientôt en train de mourir. Oh là 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 là. Elle a survécu, mais un poil de chatte. Ouais, de toute façon. Mets-toi en posture pour faire les dégâts si on peut. Allez, deviens folle. Aïe, ouais, c'est acceptable encore, mais deviens folle. Non, 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 non. Eh merde. Les deux d'un coup. Oh putain. Ouais. Allez, si tu pouvais nous la tuer là derrière. Oh là là, elle est pas morte. Bon. Là, si tu pouvais nous la tuer, s'il te plaît. Merci. Maintenant, il faut que je la rende folle, mais j'ai pas d'attaque de. Y'a que lui qui peut en faire des attaques de funeste. Ouais, on a que ça de toute façon. Je veux pas la tuer, hein, je veux la rendre folle. Oh, bon, plus raté. Elle est maudite, mais voilà. Toi, tu vas te mettre de la posture parce que je veux pas que tu l'attaques. Elle est folle et c'est gagné. Bah voilà. Bon, moi j'ai réussi à recruter une deuxième d'Empire. J'ai eu quelques morceaux bien choisis. Hop. Ok. Ok, ok, ok. Donc la d'Empire, c'est une bonne nouvelle parce que j'aime bien cette unité. Par contre, ouais, j'ai encore perdu pas mal de choses. La momie. Attends, normalement c'est elle là, elle là, et là, normalement c'était le chevalier. Le problème c'est que j'ai plus de chevalier. Et donc du coup, je vais mettre la d'Empire, qui est niveau 6, mais elle est pas full vie. Attends, on peut continuer à te faire gagner des levels. Toi, au pire, tu peux gagner des levels aussi, ça me dérangera pas. Toi, tu peux te faire soigner. Non, je t'assure, tu peux te faire soigner, voilà. Et la d'Empire déchu, qu'est-ce qu'elle a comme truc? Plus 2 d'évasion, il faudrait que je monte 4 d'initiative. Ce qui est violent. Je pourrais même pas lui monter sans lui mettre d'objet. Donc, Ouais. Bon, elle, on va la mettre à l'entraînement pour le moment. Quoique, je pourrais même lui donner directement un cerveau, je crois. Hop, on a récupéré des bons cerveaux, mine de rien. Je pourrais lui donner un bon cerveau, mais bon, ça changerait pas qu'il lui manquerait de l'initiative. Qu'est-ce que je lui ai mis à l'autre? Gauche, gauche, droite, gauche, gauche, ok. Droite, droite, gauche, toc, toc. Ouais, là, ça va être pour le bonus. Ok, là, c'est ouais, c'est la défense, l'hospice, les deux là, c'est sûr que c'est pour la défense. Ça peut être très pratique. Bon, bah, on va
lui donner un cerveau déjà. Donc de l'initiative. Au moins elle est à 6. Il m'en manque plus que 2 points d'initiative. Ça peut se trouver normalement en faisant un objet à la con. Plus 10 points de vie. Interromps les postures, ok. Lalalala. Les contre-attaques contre des coups critiques garantis, ok. Et là, quand on reçoit la vitalité. Ah oui, non. Vitalité. Pour pouvoir se heal, c'est important. Il me reste 2 points. La chance pour des critiques. Ouais, elle a déjà 25%. Ça pourrait être utile d'investir là-dessus. Un coup critique reste une quantité de mana. Un coup critique reste une quantité de vitalité. La vitalité. Ouais, bah au final, je vais la monter exactement comme l'autre, c'est ça. Ouais. Bon, bah écoute. Ok. Donc, ma foi, il reste qu'un point. Tac tac tac. Ça fera plus de points de dégâts, les deux coups de la rage. Ouais, on va lui faire ça. Ouais. Et hop là. J'aimerais quand même. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. On verra comment ça se passe, mais j'ai pas de haillon pour faire une ceinture. Je n'ai rien à lui donner en mieux. Ok. Bon, on va partir avec cette team là. Même si on a subi un gros contre-coup. Ah, mais c'est vrai qu'elle est mal en point aussi. Ah. Ah ah ah. J'avais complètement zappé ça. Qu'elle avait de la vie en moins. Et quand même, il lui manque 20 points de vie. Pour aller à un boss, ça fait chier quoi. Je peux pas lui enlever la ceinture, je suppose. Non. Je peux pas refaire une ceinture, je suppose. Hop, c'est où la ceinture? C'est là. Pour faire une ceinture, il me faudrait ouais, 2 haillons. Et pour faire des haillons, il me faudrait. Hop, pour faire des haillons, il me faudrait du sang. Et du sang que je n'ai pas. Ouais, donc je peux vraiment pas. Je peux vraiment pas. Donc le seul truc, ça serait dû augmenter quelque chose. Hop, elle a pas d'ectoplasme, donc voilà. Lui monter encore un niveau, changerait rien. Je peux essayer de faire de la chair verte. Avec énormément de moules. On peut peut-être espérer quelque chose. Ce n'est pas la pierre philosophale. Ouais, 2 d'évasion, c'est pas ça que je voulais. Un cœur, on peut essayer aussi. Ok, allez. 2 d'initiative. 3 de précision. Ouais, mais je m'en fous en fait de ce que tu donnes. Et du sang, j'en ai plus. Donc comme ça, c'est réglé. Bon. Ouais, je vais être obligé de la risquer elle. Parce que bon. Elle a quand même plus de points de vie. 110 points de vie, ouais. Ça me fait chier, mais bon, j'ai pas le choix. Alors, entre parenthèses, on va te soigner, toi. Alors, vous deux, vous êtes à l'entraînement. Ok. Je pourrais mettre un deuxième gros, hein. Ouais, bon. Au pire des cas, j'ai pas envie de perdre ma team, hein, loin de là. Mais au pire des cas, j'ai quand même une team qui peut à peu près tenir la route au cas où. Si je perds tout. Et... Mais ça me fait chier parce que vraiment... Voilà, quoi. Alors, on va regarder vite fait. Non, on est au début, nickel. Donc on va pouvoir essayer d'affronter le boss, potentiellement à la fin de ce let's play. Nous allons voir ça tout de suite. Les mages de feu sont généralement gardés à l'écart de la civilisation. Ils sont connus pour être dangereux et instables et beaucoup préfèrent éviter l'incinération de villes entières. La pyromancienne a provoqué l'un de ces incendies avant d'être confiée très jeune à l'école pour mages. Même en ces lieux, elle s'avéra être plus que difficile, gagnant aisément l'hostilité du personnel enseignant. Elle finit d'apprendre à maîtriser ses pouvoirs au sein d'un groupe de mercenaires assez braves pour l'avoir laissé se joindre à eux. La pyromancienne ne se freine jamais, et tout le monde le sait. La situation doit être désespérée pour que cette mage aux yeux de feu ait été engagée pour ce combat. Bah écoute, c'est un boss niveau 3, j'ai envie de te dire. Ok, elle a 2 LM, ça fait quoi ça? À la fin de la durée de l'invocation élémentaire. Voilà. Explose 150 dégâts, de dégâts magiques, 150 dégâts physiques à tous les serviteurs. Ah! Ah! Et t'as 530 PV. Ah! Ah 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 ah, ça veut dire qu'il faut que je les dégomme le plus vite possible. Et le temps de l'invocation, c'est combien? 3 tours. 2 tours. Et 2 tours. Ok, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Les tuer aussi vite, je vois vraiment comment je peux faire.
On va récupérer un peu de mana déjà. Ils ont que 65 HP, donc c'est faisable, hein, mais bon. Toi, on va te buffer aussi, histoire de. Tu pourras peut-être parer l'explosion, je ne sais pas. Faut que je fasse des sorts, donc là, on va faire des sorts. J'ai oublié de me mettre un objet. Merde. On va faire ça. Ok. On a dit des dégâts, donc on va essayer de faire des dégâts. Ok. Normalement, il me reste. Voilà. Raté, nickel. La Dampire, la Dampire, la Dampire. Alors, 19-21. Ouais, elle pourra pas le tuer. Ouais. Bon, on va essayer. Oh, GG. Ça, c'est cool. Ok, parade. Parade. Elle en réinvoque un. Faut que je fasse gaffe au temps d'invocation, en fait. Il y en a un qui doit être à 1, normalement. Et c'est lui. Ok, donc toi, t'es gentil, tu vas te mettre sur le devant de la scène. Elle perd pas de vie quand elle fait des invoques, hein, par contre. Hop. On va essayer de faire des dégâts à tout le monde, du coup. Parce qu'à moins d'avoir des AOE, je vais jamais réussir à la toucher, elle. Hein. Je vais jamais réussir à la toucher. Hop. Hospice. Ok. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas le moment. Ouais, on va continuer là-dessus. Bon, on fait du coup critique, tant pis. Raté. Et merde! Ok. Ça m'a fait moins de dégâts que ce que je pensais. Mais en même temps, ils avaient tous des hospices. Du coup, on va bourriner le boss. Ouais, mais elle a tellement de points de vie que ça me paraît un peu dur. Bon, écoutez, hein, au bout d'un moment. Ouais, non. Elle a littéralement trop de points de vie. Enfin, je sais pas. Je vous avoue que là, je ne sais pas. Faudrait que je puisse l'enflammer. Je ne peux pas l'enflammer de là où je suis. Tac, 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 tac. Eux, ils vont exploser. Faudrait que je tue lui. Mais lui, il va se faire exploser de toute manière. On va essayer de la flamber, elle. Ah, elle est immunisée au feu, d'accord. Ok. Et l'autre est immunisée à la magie. Ok. Bon, tant pis, on va faire ça. Hein, en espérant que ça ne m'explose pas dans la gueule avant. Ouais. De toute façon, on n'a pas trop de choix. Ouais. Ouais, tu vas avoir de quoi. Ok. Bon, ça fait 6 points de dégâts en même temps. Ça fait pas énormément de dégâts. Bon, réfléchissons. Points de dégâts à chaque fois, j'ai quand même un sacré timing pour le faire et pour la buter. En fait, je crois qu'il faut vraiment la viser, elle. C'est quoi son passif? Ne s'échappera pas. Oui, bon, bah ça, au moins, c'est fait. Donc, on va la bourriner. Hein. On va changer de strat. Je peux pas la faire s'enflammer, je peux comprendre. Toi, tu vas manger tout ce que tu peux. Pour te régénérer les 6 PV qui manquent. Toi du coup tu vas te mettre de la protection. Puisque c'est de l'hospice qu'il faut pour ça. Ouais, raté. Alors ensuite. Je pense que ça peut être plus profitable. Ouais, non, mais au moins on lui a enlevé toute son armure. Ok. Ouais, c'est bien. Redonner de la vie à mon démon, ça m'ira très bien. Je vais même, tu sais quoi, je... Ah, quoi que... Oh, il a pas encore perdu de PV. On va même essayer d'avancer sur elle.
Toi tu vas quoi? Tu vas 16, 18. Pff, ça servira à rien. Allez. Hop, on avance. On avance, on avance. Ok. Ça peut quand même faire des dégâts. Hein. À ta place. Voilà. Il me manque des points de vie, on va essayer de régène. Ouais, loupé. On a quand même fait des dégâts. Ok. Elle est à la moitié de sa vie hein, pour le moment. Je trouve ce boss plus facile que les deux autres. Mine de rien. Ok. Alors, hop. Voilà, reprendre de la mana. Ouais, on va faire ça. On va continuer à bourriner la boss. Toi, on va dire que t'as besoin de vie pour ce coup-ci. Clac, puis on va éviter de faire pas des dégâts aux autres. Voilà. Toi, tu commences à être un peu en mauvais état. Hop, balle dans la tête. Ouais, malheureusement, pas assez fort. Ouais, combustion. C'est chiant, mais c'est pas dramatique. Clac. Le problème, c'est que. Faudrait que je me fasse attaquer pour que ça serve à quelque chose. Ouais, on va essayer ça plutôt. Voilà, au moins elle prend bien cher. Ouais, on prend les dégâts. J'avoue que les dégâts qu'on commence à prendre sont violents. Va peut-être falloir s'occuper un peu plus des petits élémentaires. Ce qui est très chiant. Bon, lui, de toute façon, il y a deux tours. Et lui, il y a deux tours. Ok. Faudrait que je tue les deux à deux. Trop long tout ça. 135 PV en même temps, ouais, je peux la tuer. Avec un peu de chance, je la tuerai. Le temps que je mettrai à tuer les deux, je la tuerai elle quoi. Donc bon. Elle a plus d'armure, j'ai déjà fait un gros boulot sur elle. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Suppression des malus. Bon, ok, admettons. Allez, un petit critique pour récupérer de la vie. Voilà, nickel. C'est quoi qu'elle s'est mise comme aura là? Tout serviteur. Merde, je peux lire ou pas? Tout serviteur qui inflige dégâts à la pyromancie subit 30 dégâts magiques. Ok. Bah, écoute. Si tu veux tuer tes propres troupes. Voilà. Ouais, j'ai pris un peu des dégâts, mais bon. J'ai pas trop le choix. Voilà. Elle est quasiment morte. Il manque 42 points de dégâts. Ouais, je pourrais pas la tuer avec ça. Là, je prends des dégâts. Un petit critique et c'est bon, non? Eh ben voilà! Que demande le peuple? Ah non, mais je crois que c'était gagné. Ah voilà. Ouf, 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 ouf. J'ai gagné plein de levels, ça c'est cool. J'ai gagné des os violets. On va voir ce que ça donne. Ok. Bon, bah finalement, ça s'est plutôt bien passé. Je m'attendais vraiment à pire. Je m'attendais vraiment, vraiment, vraiment à pire. Hop, toi on va te faire là. Toi là. Il me faudra un deuxième combat pour régène E. Ce qui va être violent. Il va falloir que je sorte E de l'entraînement du coup. Ah, il n'a même pas gagné de niveau. Ouais, niveau 5 en même temps, tu m'étonnes. Niveau 2, il a gagné un level. Tiens, continue à t'entraîner toi. Et pour le groupe 2, il va quand même manquer quelqu'un. Hein. C'est qui est mort là? Ouais, je m'en rappelle pas. Au pire, j'ai un squelette qui traîne, qui est bon aussi. Que je pourrais potentiellement mettre avec eux. Ça pourrait le faire. Mais je me souviens plus. Ouais, j'ai trop de cac dans cette team. Trop de personnes qui doivent être au cac. Au pire, lui, je peux le mettre derrière, je crois, mais bon. Théoriquement, lui, il doit être devant. Elle, elle peut être dans les trois dernières positions, c'est pas grave. Elle pourra quand même faire des choses, quoi. Ouais. Donc
ça c'est pas grave. Lui, si on veut le faire attaquer, oui, si on veut faire rendre quelqu'un fou, faut qu'il soit au fond. Donc au pire, on peut le mettre au fond. Donc j'ai une place 2 ou une place 4 qui est libre. Et j'ai récupéré des bons compos, enfin théoriquement. J'ai récupéré des os violets, je crois, voilà. 6 de vitalité, 5 d'évasion, 3 d'attaque, c'est pas mal, mais... Limite, ton initiative m'intéresse plus avec les bonus que j'ai, quoi. Du coup, ça va dépendre de ce que je prends. Je pourrais peut-être faire un squelette blanc. Encore un. Hop. Hop. Ouais, je peux faire un squelette blanc. Des os, des os, des os. Ouais. Pas très inspiré, si. Hop, on récupère lui de squelette, on met ça là. Ça me ferait une super team avec énormément de... Attends, toi tes attaques, tu peux les faire du fond. Oui. Ouais, bon, ça te fera avancer quoi. D'accord, on va faire une team qui bouge, ça va bouger pas mal. Et toi tu peux charger aussi, donc tu peux avancer. T'as des os bleus, 4 vitalités, 3 chances, ouais bon. T'as 8 d'initiative, c'est le principal. 8 d'initiative, 4 et 9. C'est lui qu'il faudrait mettre de l'initiative, mais bon. Je n'ai rien pour ça, malheureusement. J'ai rien de spécial pour l'augmenter, je crois. Ok. Toi, tu... Ouais, d'accord. Les deux ont vraiment pris cher. Les deux ont vraiment pris cher. Ouais, niveau ça, je m'en fous, elle est au maximum. Donc, j'ai pas à l'entraîner. Donc, au pire des cas, ce que je pourrais faire... Toi t'es quel niveau? T'es niveau 5. Oh mais t'es fort toi. D'accord, j'avais complètement zappé ça. J'avais complètement zappé ça. Hop, toi t'es niveau 1, t'es tout pourrave. D'ailleurs entre parenthèses ça marche jamais hein. Les objets, j'en trouve pas quoi. Après y'a que 10% mais quand même. Quoique si on avait les 4 ça ferait 40%. Hein, est-ce que je le mets à l'entraînement ou pas? Voilà. Pour 10%. On va faire ça. Ils ont des compos merdiques, mais bon, voilà. Là, par contre, je pense qu'on va devoir arrêter là. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Mine de rien, on a quand même réussi à battre le boss du 3ème niveau. Je rappelle que c'est mon premier run. Je m'attendais pas à le battre. Très honnêtement, je m'attendais à mourir. Donc, ma foi, bah écoutez, pourquoi pas. C'est plutôt cool. Il me faudrait des trucs pour régénérer ma mana. Parce que mine de rien, elle régène pas assez vite à mon goût. Hop. Et je sais absolument pas quoi faire. Comment faire? Les sèvres retiennent un parade et un d'hospice. Ça pourrait être cool vu que maintenant je joue avec un spectre. Ça pourrait être cool, mais bon, voilà. Tac. Je vérifie qu'il n'y a pas de mana. Détruit la nuit choisie. Oh là là, le doigt de mort, comment c'est violent quand même. Les banshees obtiennent plus 8 d'attaque, 5 d'évasion et 2 d'initiative. Ouh, ça pourrait être terrible, terrible ça. Ok. C'est l'espèce de malédiction quoi. Ça pourrait être pratique, tout peut être pratique. Mais ouais, on va prendre l'encens en moi. Je contrôle tout. C'est... J'ai encore 2 points de mana. J'ai encore 2 points de talent. Les pièges, je m'en fous. Ouais, j'essaie de trouver ce qui. Ah, 20 points de vie en plus, ça pourrait être pas mal aussi. Hein. Ce qui pourrait être utile. J'avoue que les dégâts de feu peuvent être bien. Hein. Parce que vous leur mettez le feu après derrière, vous les faites flamber encore plus. Enfin, vous pouvez les fracasser comme ça ou les fracasser avec l'autre parce qu'ils sont enflammés. Donc, y a moyen de faire beaucoup de points de dégâts. D'ailleurs, entre parenthèses, la claque moqueuse fait plus de dégâts que la salve de lance. Ouais, il y a le malus, l'histoire du malus, ouais. Ouais, ça fait 45 au max, alors que 200% supplémentaire, ça peut faire 60. Ouais. Pour 8 points de mana... Le malus, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, 80 points de mana, c'est beaucoup trop cher, malheureusement, pour que j'achète ce talent. Et Kourou, j'ai pas fait gaffe à ce qu'il y avait. Tous les serviteurs et ennemis obtiennent 10% de chance. Non. Ouais, de la rage, ça pourrait être bien. Moi, j'aimerais bien un truc qui... Ça pourrait être pas mal.
pour augmenter les combustions. Ça pourrait être très bien. La folie contagieuse. Ça pourrait être très bien. Pour la simple et bonne raison que comme ça je pourrais rendre fou les d'Empire très rapidement. Mais bon, c'est problématique. Qu'est-ce qui est problématique, remarquez? La magie. Ouais. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Non, mais ça pourrait être bien, ça. Force synthèse de santé mentale pour la cible avec 50% de... Ouais, si, je crois que je vais prendre ça. Je l'avais pas vu, ce Ce sera un massacre sans précédent. Ah, il me manque un point de talent. Bon. Et puisque vous êtes resté jusque-là, on va vous montrer le niveau d'après. Pour le plaisir. Hop. Et c'est l'avant-dernier level quand même. Oh là, même une cinématique. Je suis venu récolter. Oh. Comment ça? Non, c'est pas fini! Théoriquement, il y a un niveau en plus. Bon. Bah écoutez, c'est la fin du jeu. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je m'y attendais pas. En tout cas, j'aime bien le jeu. Bah, vous me direz dans les commentaires si vous voulez voir la suite de ce jeu. D'accord. La pyromancienne ancienne n'est plus, une lumière de plus s'éteint sur votre passage. Le chemin à la surface vous est ouvert et la victoire est ultime est à votre portée. Votre esprit stratégique et tactique a surmonté tous les obstacles, vous permettant d'atteindre la fin actuelle du jeu. Nous espérons que vous avez apprécié ce jeu et que vous nous rejoindrez pour la sortie complète plus tard cette année. Mais le jeu est censé être sorti complètement là, à l'heure où je vous parle. Bon, c'est pas grave. Ok, hein, bah. Du coup, moi. Ah oui, je suis obligé de faire une nouvelle partie hein, si je fais ça. J'ai juste testé vite fait. Hop. Juste pour vérifier un truc. Pour conclure ce test. Ah oui, donc ça m'a bien débloqué toutes les créations. Donc ça, c'est cool. Je suppose que les talents sont pas débloqués. Enfin, je suppose. Non, mais... Ah, ferme-toi ça. Hop, artefact, bah j'ai plus rien. Ah si, j'ai quand même un artefact aléatoire. Ok, pourquoi pas. Merde. Où ils sont les talents de l'autre? Voilà. Par contre, les talents ont été remis à zéro. Oui, d'accord, ok. Donc, ce qu'on conserve dans une partie, c'est le cimetière. Ah non, même pas. Ok. Donc, on conserve pas le cimetière. Ok, on conserve pas les points de talent. Ok. Par contre, on conserve la science de création. D'accord, ok. Bon, en tout cas, bah voilà, moi j'apprécie bien le jeu. J'espère que vous, il vous a plu autant qu'il a pu me plaire à moi. Je sais pas si j'ai gardé les... Ce que c'est... Non, je crois que c'est des réserves qu'il y avait, hein. J'avais pas autant de trucs de toute manière. Enfin bref, en tout cas j'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi ce petit jeu. Si vous voulez me faire voir un run, bah dites-le dans les commentaires. Bah, je l'ai fini en one shot du coup, un peu déçu, mais après en même temps c'était niveau de difficulté le plus simple. Donc c'est pas la vraie fin non plus. Donc si vous voulez que je refasse un run plus tard, quand le jeu sera sorti complètement, parce que je sais pas pourquoi il manque encore un niveau, dites-le moi dans les commentaires. Sinon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau let's play. Allez, bye bye une petite amie YouTube.